Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis amateurs de cyclisme, c'est Raw Cyclisme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo que je suppose vous attendez. Une vidéo que ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo sur ma chaîne. J'ai aussi changé le nom de la chaîne et tout, exactement, j'ai changé le nom de la chaîne. Donc voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour pas pour du tour, ni pour du pro team, ni pour des défis. Ni pour de l'entraînement, mais du My Tour, comme vous l'aurez vu dans le titre, n'ayant pas le jeu PCM sur PC, on va faire Paris-Roubaix sur la console, avec un peu moins de secteurs pavés, avec un peu moins de kilomètres, mais ça sera quand même du Paris-Roubaix. Alors pour cela, on va aller en solo, on va créer une nouvelle partie, on va prendre évidemment les équipes Cyanide, on va se mettre en champion, parce que comme je joue pas beaucoup, j'ai pas encore débloqué. La légende, donc bien sûr, je ne vous l'ai pas dit, mais ça sera comment? Je n'aurai que le. Ça sera une chaîne qui fait. Sur cette chaîne, il y aura que du cyclisme, bien évidemment. Alors, je regarde parce que là, je vois que j'ai deux fois la même étape et c'est deux fois le même kilomètre. Ouais, donc bah, c'est la même. Donc on va jouer Ypres à Rambert. Voilà, on sélectionne l'étape. On va se mettre contre les légendes, bien évidemment. Et alors, cette année, j'ai envie de le faire. Non pas avec les ZX qui remportent tout, mais j'ai envie de le faire avec un sprinter qui est capable de la remporter. Je pense que je vais le faire avec les Bora et je vais prendre Peter Sagan. Je pense que ça peut être bien. Donc, dans l'équipe, on a beaucoup de grimpeurs. On va regarder si on peut pas enlever les grimpeurs et mettre des bunchers. Yann Barthès, si on va le mettre. Alors, Bogna, Bushman là. Ici, 78. Allez hop, Bennett. À la place de Machka, on va mettre quelqu'un d'assez fort quand même. Un rouleur, hop. Ah si on est qui on est. Oh non, on va enlever celui-ci, on va mettre ouais, quoi que. Fait du 76. On va le mettre quand même. Voilà, ça me fait 3 sprinters, 4 sprinters, 3 punchers et un ballon. 4 punchers. Bah c'est pas trop mal, à moins que j'en aurai un autre ballon. Ouais non, on va laisser comme ça. Allez, c'est parti pour jouer le tour avec la Bora Hansgrohe. Et donc voilà, les amis, pour cette étape, on a le choix entre Marcus Burgard, qui est quand même assez fort, pour faire dans le top 20. Mais bien sûr, on va jouer Peter Sagan, bien évidemment le champion du monde, notre favori aujourd'hui, qui d'après moi ne devrait pas faire dans le top 5, mais devrait faire dans le top 3, gagner même l'étape. Allez, c'est parti avec Peter Bonjour à Sagan. tous. Dans cette étape nordiste, un peu plus de 15 km de pavés ont été répartis sur 9 secteurs distincts. Parmi eux, ceux de Mons en Pévèle ou d'Hellemmes à Wallers. Les spécialistes de Paris-Roubaix les connaissent bien. Pourtant, l'expérience nous a démontré par le passé que les stratégies de course en juillet sont bien différentes de celles du printemps. Voilà, donc on va mettre bien évidemment le moins fort et puis son frère également, c'est également son frère. On va mettre Yuran Sagan à protéger Peter Sagan. Donc dans cette étape, je vais pas mettre d'échappée pour garder mes hommes pour faire rouler dans la finale, parce que comme vous pouvez le voir ici, je vais vous le montrer. Voilà, il y a également bah, la Dream Team qui est présente avec Cancellara, Bernard Hinault, Eddy Merckx. Donc ça va être un peu plus chaud. Cette étape, bon, on va quand même le faire pour les primes. On a quand même Peter Sagan, hein. C'est pas n'importe qui le gaillard. Hop, au 1 km on sort, on va chercher les 10 points. Bien évidemment, les 10 points tout tranquillement. C'est pas un sprint dans lequel on doit y aller fort. Donc on a une échappée. Une échappée de 5 hommes. Composée de Thomas Butler, Rudy Mollard, Bach, Everetti et Tim Wellens. Voilà, je suis 6ème du sprint intermédiaire, c'est pas trop mal. On va vérifier que j'ai toujours Yuran Sagan qui protège. Ben non, je ne l'ai plus, donc on va remettre Yuran Sagan. Ok, je viens de protéger. Voilà. Le rythme pour résister au peloton. Notre équipe a roulé. Enfin, on a mis notre équipe.
Qu'est-ce qu'il nous fait là, Yura Sagal? Pourquoi il m'emmène ainsi? Général, trop sévère. Voilà, on est protégé par Yoran Sagan. J'avais mis. On va mettre un tempo nominal pour l'équipe. Donc on approche du 5ème secteur pavé. 5ème secteur pavé déjà. Donc bah voilà, on a Mac Carty et Marcus Burghardt qui sont là. On a toute notre équipe hein, qui est présente. On veut vraiment clairement affirmer à la Dream Team qu'on est présent. Voilà, ça travaille dur. Donc on est dans le 5ème secteur pavé, il en reste 4 après. 4 secteurs pavés, on a encore 1400 mètres à faire. Ça risque d'être dur, on a Marcus Burghardt là qui fait un travail énorme pour nous. Avec Postberger et Bognar. Ils sont tous à 50 hein. On va pas leur demander de faire plus. Les deux prochains secteurs sont seulement séparés par 1 km de bitume. Ah bah. L'enchaînement va un quatrième coureur, c'est Ligue qui est venu à 4 km de bitume. On approche, hein. On va bientôt attaquer. Bientôt attaquer. Il accélère. Adrien Petit accélère, soi-disant, mais je ne vois pas son accélération. Je sais pas pourquoi je me dis ça. J'ai bugué, j'ai eu hâte de voir. Le prochain, le 2018. Conchalara dans notre roue. Zabek, Kello. Et Merckx est toujours caché. Hein. Il est encore caché, Merckx. Avec nous, on est déjà en train de faire travailler notre équipe. Et Bognar ici, il doit boucher le trou. Allez, hop. On va se mettre dans ses ligues. Notre équipe travaille tranquillement. Voilà, secteur pavé numéro 4ème secteur pavé. Oula, je vais remonter un petit peu parce que on dirait que ça a un peu de mal. On va les enchaîner maintenant les secteurs pavés hein. On est dans le 4ème, il nous en reste 3 à faire aujourd'hui. Voilà, on est dans le 4ème, on a 1 km après entre les deux. Je pense qu'on va commencer à faire rouler l'équipe au bout de 20 km. 20 km, l'équipe va rouler à bloc, je le sens. On a une attaque devant. Une attaque de qui? De John Degelcom. John Degelcom qui attaque. C'est très rare John Degelcom qui attaque dans un secteur pavé. C'est pas à son habitude, bah on va mettre gérer l'écart pour le classement général avec Sagan. Logiquement ils vont rouler. On a une équipe quand même assez forte donc ça devrait le faire. Ah ouais, ça va le faire. On a Marcus Burghardt là qui est en train de nous ramener. On a la Dream Team qui impose son tempo pour revenir également. La Dream Team qui est une équipe assez forte avec tous les anciens du vélo. Comme Eddy Merckx est déjà placé. Je ne sais pas. Ah non, Eddy Merckx est toujours caché. Hein. On avait Vernason qui place une accélération à son tour. Ali Vernason qui place une accélération. C'est quoi ça? Danger pour la victoire d'étape. Donc non, ouais, il doit rouler là. Ce qui sont mes équipiers. C'est déjà en train de casser. Hein, c'est déjà en train de casser. On n'est plus beaucoup de l'équipe. Ça devrait tenir. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Ouais, c'est Ling, le sprinter qui a déjà fait pas mal de travail. On va imposer un tempo élevé pour l'équipe. On a Van Avermaet ici à côté de moi qui est en train d'essayer d'en mettre une. Et on a vu lui c'est Merckx. Hein. Le nom, j'ai pas renommé les coureurs, mais j'ai comme l'impression que c'est Merckx. Je ne sais pas. Allez, j'ai demandé un tempo élevé de la part de mon équipe. J'espère qu'ils vont le faire. Voilà, on n'est plus beaucoup hein, de l'équipe. Plus que 2 secteurs. Plus que 2 secteurs déjà. Donc on va devoir mettre le tempo ici. Le paquet. On va demander à Yoran Sagan qui est encore là. Donc on va demander Yoran Sagan. Donc Sagan. Lui. De. Ce ra tempo 100 et toi tempo 100, voilà, et puis toi voilà, vous deux en plus du tempo 100 vous allez faire du gel bleu. Okay. Un peu de gel bleu, ça leur fera pas de tort.
Ils doivent venir travailler là, ils doivent venir travailler, c'est obligé. C'est pas le moment de se relâcher. Ils sont obligés de venir travailler, s'ils viennent pas travailler, je vais mal m'en sortir là. Dream Team, elle travaille déjà à bloc. Allez, venez travailler les gars. D'ailleurs, on va mettre toute l'équipe à rouler, hein. Hop. Hop, 100 partout. Allez, hop, c'est parti, les gars. Faut rouler. Faut rouler, les gars. Allez, hop, à bloc. Par contre, on a Sagan ici qui a du mal. J'ai le bleu pour toi. Pour toi, Sagan, j'ai le bleu. Ah non, on a Merckx dans ma roue. C'était pas Merckx tantôt, c'est Merckx dans ma roue. Non, ouais, ils sont en défaillance, les gars. Ils sont en défaillance, mes gars. Ouais, ben je peux rien faire, hein. Ils n'arrivent pas à suivre le tempo de la Dream Team. Qu'il faut dire est quand même assez élevé. Voilà. 14 km de l'arrivée. Un groupe de 11 est sorti, c'est le peloton actuel. C'est composé de 4 Dream Team. Peter Sagan, je pense, le champion de France. Arnaud Démare également qui est présent. On a. Pas Oliver Nassen apparemment, mais on aurait peut-être Greg Van Avermaet. Greg Van Avermaet serait là. Ah non, André Greppel aussi qui est là. Ah, le sprinter va être chaud. Mais je pense pas Cancellara qui est là pour la Dream Team. Vous voyez, Arnaud Démare est là pour la FDJ. FDJ Arnaud Démare, ça va être chaud. Ça va être chaud ce sprint aujourd'hui. C'est le plus rapide au sprint dans le groupe de tête. Ouais, mais il est peut-être rapide de sprint, mais je pense pas qu'il soit aussi rapide que moi dans un secteur pavé. On verra bien. Je pense essayer de m'isoler avec Merckx en tête. Oh, de quelqu'un qui en met une. Et Van Avermaet réagit. Ah, réaction de Greg Van Avermaet. Et je suis obligé d'y aller, hein. Je peux pas laisser partir ce duo. De quelqu'un Van Avermaet. Allez, on est parti avec Van Avermaet là. Faut que j'arrive à tenir sa roue. Il veut essayer de me lâcher à nouveau. Van Avermaet, il met un gros coup là. Il a demandé à ses équipiers de rouler sur toi. T'es trop dangereux. Ah, j'aurais des équipiers. Oui, j'ai des équipiers ici. J'ai le bleu et. Et après, on va demander à gêner les relais. Voilà, gêner les relais. Allez, hop, c'est parti. Ah, il faut y aller là, il faut arriver à faire le bon. Van Avermaet, il est bien parti. Allez, on y va. Fait travailler l'équipe. On a. Non, on va demander à Bognar d'attaquer. Attaque de Bognar, allez. Faut faire réagir l'équipe là. Les autres, la Dream Team. Allez, faut que la Dream Team travaille. Attention, il va essayer de partir en contre. De quelqu'un qui part à 6 km de l'arrivée. De piéger les sprinteurs. Les hommes de tête entament le dernier secteur. Il ne restera que 4 km 500. Allez, 1600 mètres. Faut y aller. Faut y aller. C'est ici qu'il faut faire la différence. Allez, on est parti ici. Ouais, c'est dur, hein. C'est très dur. Ok, mais je vais pas être très efficace car je suis à bloc. Non, on a du mal de partir, hein. On va quand même devoir en remettre une. Une petite ici. À la sortie. Les hommes de tête ah ouais, c'est chaud. Au sprint. Mais on n'aura pas réussi à s'isoler le virage à gauche pour cette dans étape. Le dernier kilomètre afin d'éviter de faire l'extérieur. Ah, la Dream Team pratiquement au complète. Au complète cette Dream Team. Ah ouais, elle a vraiment du mal. On a vraiment du mal à résister contre la Dream Team. Mais bon, c'est pour ça aussi que j'ai pris cette équipe face à moi. Pour avoir vraiment du mal avec Sagan. Alors on va se calmer un peu. On va. Géré et malheureusement le sprinter est encore là. Leur sprinter est encore là donc ça va être chaud. Le dernier kilomètre, faut prendre le gel. Faut prendre le gel vite. Il y a le virage à gauche à gérer. Et juste après le virage faut lancer. Faut lancer juste après le virage. Allez c'est parti avec Sagan. On y va. À bloc. Virage à gauche et on lance. On lance, on lance, on lance, on lance. Ah non on va se faire battre sur la ligne. On va se faire battre. Il n'y aura pas moyen de revenir dessus. Il n'y aura pas moyen de revenir dessus et non. Deuxième place de Peter Sagan sur ce Paris-Roubaix 2018.
Deuxième place de Peter Sagan, c'est dommage pour l'équipe parce qu'on a fait un travail les 50 derniers kilomètres. C'était un travail imposant qui a permis de revenir sur les échappées. Peut-être un peu trop tôt. Peut-être un peu trop tôt. Maintenant, Sagan n'était pas en grande forme non plus. Mais bon, c'est pas pour ça. Je pense, on n'a pas la victoire aujourd'hui, on a la deuxième place. C'est un beau podium aujourd'hui. C'est pas trop mal. On va vous voir bien classé, mais pas forcément sur le podium. Encore bravo. C'est pas trop mal. Bon, écoutez les amis, moi je vous dis à la prochaine. Si vous avez des idées de vidéos sur Tour de France, n'hésitez pas à me le communiquer dans les commentaires, à vous abonner, à lâcher un like et sachez que je serai présent toutes les semaines désormais. Sur ce, portez-vous bien. Salut, c'était Rocky.